Oh, bonjour et bienvenue sur Hard Corner, ici le commandant Shepard et je regardais mes emails. Notamment j'ai reçu un petit mail de l'homme trouble qui dit mais alors sur WhatsApp tu me réponds pas alors que je vois que tu dis je vois très bien que tu lis mes messages. J'ai appris que vous avez réveillé le Krogan du docteur Rocky, mais une dangereuse décision que vous avez prise là. Mais si vous pensez qu'il serait utile au sein de votre équipe, vous avez tout mon soutien. Nous devons nous mettre au sein. Nous devons tout mettre de notre côté pour gagner ce combat. Si vous avez besoin d'une Ferrari plaquée or aussi, vous avez tout mon soutien. Si ce grunt venait à se montrer peu faible et qu'il devait être abattu, conservez le corps précieusement. Il est partiellement conçu à base de technologie de récolteur et ses données génétiques pourraient nous mettre une grande utilité. Mais je répète, dans cette opération, c'est vous qui tenez les rênes. Merci, Deikurion. Hey, Shepard, il paraît que c'est vous que je dois remercier de m'avoir sorti du purgatory. Vous avez envoyé un vaisseau me chercher, mais on peut dire qu'il n'était pas au point de vérification des armes. Plutôt que de menacer votre nom que je vais graver sur la prochaine victime en guise de remerciement, vous auriez quelqu'un à me proposer. Je n'ai pas oublié que vous avez essayé de me tirer dessus au moment où je partais. J'ai donc d'autre choix que de vous tuer. Vous connaissez les règles, hein. Mon père m'a toujours dit que si quelqu'un s'en prend à vous, il faut absolument vous envoyer un avertissement pour éviter qu'il se monte la tête et croit que tout permis. Mais bon, elle n'est pas imaginé que c'est ce que je suis en train de faire. Alors à plus, l'ami, restez sur vos gardes. Merci, Cyril. Les gens d'ici, qui sont nés là-bas, vont bientôt faire leur grand retour et vous allez pas être déçus. Hein. N'oubliez pas non plus que si vous ne trouvez pas le nom sur un cadavre, je ferai en sorte de vous trouviez, vous me retourniez en personne. Billy. Ok. Alors il me semble que Mass Effect 2, il faut que le son soit là. Ah, l'homme troupe me parle. Alors que l'homme troupe veut me parler en réunion, mais il m'a envoyé des emails là à l'instant. J'ai conclu un marché avec Zaïd Massani, le vétéran mercenaire. On vous a peut-être déjà entendu. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Il a participé entre autres à certaines opérations militaires les plus connues des systèmes Terminus. C'est un chasseur de primes impitoyable, acharné, particulièrement craint. Il m'a semblé bon de vous arranger un rendez-vous avec lui. Vous pourriez avoir besoin de ses compétences sur votre mission. Vous le trouverez sur Omega en train d'envelopper sa récompense. Ne vous souciez pas de ses honoraires, je m'en suis chargé moi-même. Shepard. Une de nos cellules, qui utilise une technologie très instable dans le cadre du projet suprématie, ne répond plus. J'aimerais que vous alliez voir ce qui se passe. Leur travail est un schéma très strict qui ne me permet pas de donner tous les détails de cette opération de ce canal. Vous trouverez cette cellule sur la planète Haït du système Typhon, dans l'amas du Phénix. Soyez extrêmement prudent. Au fait, Shepard, j'ai oublié de vous dire dans l'email d'avant, parce que vous avez allongé plus de monnaie dans des DLC pourris pour acheter des BioWare Points, que de toute façon, quelle que soit la façon dont tu les dépenses, il t'en restera sur le côté. Il te restera toujours des BioWare Points. Au prix de nombreuses écoutes d'espoir, nous avons réussi à localiser l'as des voleurs, la marouflarde Katsuni Goto, et à la convaincre de se joindre à vous. Bien peu de gens la connaissent et encore moins l'ont déjà vue en personne. Elle est passée maître dans l'art de la furtivité et de l'infiltration et ses talents vous seront d'une aide inestimable ou pas. Rendez-vous dans le secteur Zakera sur la citadelle. Vous y trouverez un terminal publicitaire un peu particulier. C'est le mot de passe le silence d'or pour déclencher la rencontre et l'event et le script. Bon alors, la planète Haït. Le script, l'homme trouble voulait me parler. Faisons ça. C'est classe, mais quand même, c'est beaucoup d'argent pour rien. Shepard, on les tient. Horizon, l'une de nos colonies dans les systèmes Terminus, a cessé d'émettre. C'est génial. Si elle n'est pas déjà assiégée, ça ne devrait plus tarder. Mordine a-t-il achevé la mesure anti-drone? Pas encore. Espérons qu'il est efficace sous la pression. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'une de vos vieilles connaissances, Kaidan Alenko, est en poste sur Horizon. C'est qui? Les récolteurs attaquent une colonie et justement l'un de mes anciens membres d'équipage est sur place? La coïncidence est trop grosse. Les récolteurs s'intéressent à vous, ce n'est pas une surprise. Mon bleu de travail nul à chier. Surtout s'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Ils en ont après lui pour vous débusquer, vous. Nous devrions avertir la citadelle. L'Alliance pourrait appuyer l'opération. Pas avant que nous soyons fixés. Pour l'instant, je ne tiens pas à ce que l'Alliance soit impliquée.
Dès que vous aurez la situation sous contrôle, je passerai le message en personne. Mais que fait Kaidan là-bas? Ce que j'en sais, même si je Kaidan m'en fous. Est toujours dans l'Alliance. Qu'est-ce qu'il fout dans les systèmes Terminus? Officiellement, elle est affectée par l'Alliance à un programme diplomatique auprès des colonies. Mais ce n'est qu'une façade. Elle? S'ils ont dépêché le capitaine Allen Coe, l'affaire est sûrement d'importance. Je vous suggère de reprendre contact avec lui. Attendez, quoi? Il y a une ligne de dialogue qui a foiré, là. Écoutez, Mlum Troll, il faut se décider, là. Si Kaidan décide qu'on l'appelle il ou elle, il faut respecter son choix. Envoyez les coordonnées. On se rend sur place. C'est l'occasion ou jamais, Shepard. Bonne chance. Joker, tracez un cap pour Horizon. Je dois voir le professeur. Ah, la colonie. Ah merde, putain, j'ai bugué, quoi. Même Bayower avait pas prévu que tu sauves Kaidan. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose. Dites-moi quand on pourra faire les DLC. Qu'est-ce que je kiffe Mass Effect 2, putain. Sa mère. Pourquoi vous me montrez ma paire de loches? Ah, le pop-up de Steam. Ah oui. Relou, en effet. Ah merde, j'avais pas le choix, j'aurais pas dû parler au... Vous n'avez toujours pas calibré la matrice de visée? Ces tourelles ne serviront à rien si on ne corrige pas le problème. Désolé, capitaine. La réactivation de nos systèmes de communication prime sur le reste. Ouais, c'est ça. Je suis surpris qu'on ne m'ait pas collé ça sur le dos, en plus du reste. Les gens d'ici ne tiennent pas la Kaidan, arrêtez de vous plaindre de la vie, quoi. Ils n'ont rien contre vous à titre personnel. Qu'est-ce que c'est? Sors bien ton flingue, Kaidan, hein. Tout espoir n'est pas perdu, il va pouvoir mourir aussi, quoi. Vite! Vos combres, courez! Vite! Il tire sur des nuages! Oui! Allez! Allez, les morpions! C'est pas la grande classe, hein. Kaidan Cross. Mais qui sont ces inquiétants récolteurs? Qui sont arrivés avec un JPG. Et lui, c'est une cinématique. Prise de contrôle. Ça fait toujours très très mal, hein. Tu pourrais tellement faire un bon jeu où tu joues les récolteurs. Nous sommes l'augure de leur perfection. Préparez ces humains à leur prochaine ascension. Dans un monde plein d'artefacts MPEG et de 30 FPS, il se passait des choses. Vite! Alors, ce qui est marrant, c'est que là, il te dit pas quels sont tes... quels sont quoi que ce soit, en fait. Du coup, on va jouer Grunt parce qu'il est invincible.
Et puis on va jouer Mordin parce que... il est cool. Ouais. Ouais. Parce que on peut pas prendre Garrus et Grunt en se mentant à soi-même que en fait c'est Garrus et Vrex, tu vois ce que je veux dire? Alors, pendant ce temps, je pouvais faire piratage d'IA 2, que je vais mettre maintenant tout de suite. Même si c'est pas très utile pour cette mission, il me semble pas. Mais tout de suite, nous avons le tir percussif, donc comme ça il remplace bien Garru. Les munitions incendiaires, on va quand même les mettre au cas où. Mais surtout, hein, on va fortifier ce petit Krogan là. Il m'a l'air, hein. En fait... ouais, si, parce que c'est quand même important. Clac. Et Mordin, Solu. Merci, Jungle Bing Ben. Là, par contre, on change rien. Ensuite, là, je vais prendre le Carniflex. Tout le monde a un Carniflex. Allez, boum. Alors, le fusil à pompe Katana ou le fusil à pompe lourd Claymore. Ah, ben non, mais ça a l'air beaucoup mieux, ça. Et Mordin, quel est-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Pendant ce temps, dans une cutscene plus belle que le jeu, plus belle que les cinématiques, regardez ce JPG. Il est moins beau que mon armure. Je me souviens qu'elle est plutôt stylée cette mission. Mordin, vous êtes sûr que ces modes d'armure nous protégeront des drones? Impossible de s'avancer. Face à une opposition restreinte. Merci Guillotine. En théorie, ce n'est qu'un prototype à évaluer en situation de combat réel. Je dois les tester moi-même. Et c'est parti pour la grosse ambiance. Nous sommes sur la colonie humaine, attaqués par les récolteurs. Et nous, on est immunisés. Moi, j'ai mis mon gilet par balle, tu peux pas me toucher. Par contre, nous ne sommes pas à l'abri des claviers du futur de l'an 80. Ouh. Il y a comme un froid entre nous. Mais non, mais arrête de me perturber. Ça rend sourd. Oh. Ouh. Aïe. Putain, et par contre, ils prennent pas très cher. Hein. Aïe. Ah là, je suis en mode full. Ah oui, c'est vrai qu'on est en mode jaune devant, marron derrière. On s'est fait ce petit plaisir là. Oh, des munitions. Et il me semble que c'est surtout dans cette mission là qu'on récupère The Mega Arme de la Mort qui suce la vie. Un peu comme une paille laser qui sucerait la vie des gens. Attendez. Hein? Attendez, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai mis le carré dans le trou carré, la balle dans le trou rond et la pyramide dans le trou triangulaire. Ok, Shepard, on n'a pas le temps. Dans le futur, les arbres seront en carton. À plein tube. Non mais je préfère, si c'est pour me parler comme si on était comme si t'étais mon père. Ou t'as peut-être mieux que tu vas faire. Oh non. Mais qui fait ces parterres de fleurs? Qui est votre paysagiste? Amenez-moi cet architecte. Bordel, le champ de Mars Angoulême quoi.
bouge plus. Ah. Oh là 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 là, eh oh. Ah donc okay. Alors tu restes à voir ce que tu veux là. Compris. Revenez là. Mais non, ah, j'aime pas me tromper d'arme. Parce que c'est infini. Mais non, bah alors. Bah ça t'embouche un gros, hein. T'es d'accord? Ouais, ouais. Souvenez-vous. Souvenez-vous que dans le futur, dans le passé, nous avions des grenades. Allô? Grunt a littéralement deux jours. Zombies dont les guettes se servaient sur Eden Prime. Technologie qui provenait de Sovereign. Alors votre homme trouble disait vrai. Les récolteurs doivent bosser pour les moissonneurs. Putain, mais combien de lignes de dialogue par personnage ont été enregistrées sur ce jeu? C'est juste délirant. C'est vrai que je devrais faire plus de tirs aux testicules. Dans le futur, il y aura des petits tracteurs totalement à chier avec deux roues. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Un morceau de ton cul. On dirait un humain. Un des colons, peut-être. Non, aucune pique de mutation. Les récolteurs sont arrivés avec eux. Les colons capturés vivants. Ils poursuivent un autre objectif. Allons nettoyer ces colons, sans mauvais jeu de mots. Ces créatures sont différentes de celles que j'ai combattues sur Eden Prime. Elles sont plus évoluées. On peut les tuer, c'est l'essentiel. Les récolteurs doivent mener des expériences sur les colons. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais c'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire des morts vivants, génial. Les implications sont troublantes. Et des personnes. On finira bien par le savoir, j'imagine. Les récolteurs paieront pour ça. Allons-nous-en d'ici. Ouais. Votre peuple disparu. Aucun signe de résistance. Ça a dû être rapide. Rapide. Paré au combat. Ah, vous allez pas me saouler, hein. Vous allez pas me saouler 5 minutes, hein. Vite! Couvrez-moi! C'est très important! C'est très important! C'est très important! Couvrez-moi bien, hein. Ah mince, quelqu'un a un petit fil d'étain, j'ai besoin encore de souder quelque chose. C'est bon, on est plus riche. Tout va bien les mecs, hein. J'ai pris le pognon. Ça me saoule de pas les one-shot ces gars-là. Tiens. Attention, les récolteurs sont tachés et sont au moins de niveau 2. Nous sommes une race millénaire, mais par contre nous sommes bloqués au niveau 1. Sauf plus tard dans le jeu. La semaine prochaine, au bout d'une semaine, merci Mister l'inconnu, la semaine prochaine, les ennemis seront tous... les récolteurs millénaires, hein, seront un peu plus durs. Ça c'est une belle promesse. Finalement, sans Shepard, hein, même Sovereign, il serait resté level 1. Les gens seraient plus ils évoluent que pour toi, que par rapport à toi. Si c'est la voix de Pascal Chemin aussi, les respirations et tout. Je me pose peut-être un peu trop de questions. Est-ce que vous avez vu mon beau fessier quand même? C'est parti! Non, pardon, attends, excuse-moi. Sans problème! Merde, comment je range mes trucs? Les victimes paraissent lucides, pleinement conscientes, plongées en stase. Fascinant.
Ils sont dans cet état depuis un bout de temps. Alors, mais s'ils sont pleinement conscients, est-ce qu'ils me voient là en train de pirater leur carte de leur carte bancaire et leur compte PayPal, ou est-ce que ça ils l'oublieront? Parce qu'on serait dans la merde s'ils commençaient à témoigner. Je pense qu'il faut dépenser cet argent tout de suite, les amis. J'adore que l'homme trouble est là, genre. Pardon? J'aime bien que l'homme trouble soit en mode genre. Oh non, mais vous en faites pas pour Zaïd, hein, j'ai déjà payé ses honoraires, hein, mes fonds sont illimités. Et toi, t'es là, genre. T'es vraiment une klepto en fait, quoi. T'es là, genre. Ah oui, mais attendez, là. Le mec. Il peut rien dire si je prends sa carte bleue là parce qu'il est en stase. Laser à particules. La meilleure arme du jeu. Alors là, cette arme, hein, c'est l'arme lourde. La plus balèze de tout le jeu. Tous les boss, tu leur suces la vie, c'est terminé. Je suis pas rassuré. Le but, je pense, on va essayer de trouver un paradis. Dans le futur, les caméras seront à 10 FPS. Regarde, là, il en prend le contrôle et c'est beaucoup plus beau. C'est plus beau que tout à l'heure. Je superviserai personnellement ceci. Allez, tous! Oh fuck! Oh fuck! L'homme est fragile. Mais je te permets pas de dire que je suis fragile, voilà! Le mec existe plus déjà! Le mec existait plus, il me juge! Oh non, putain, non, pas ça! Oh non, mais il est triche, il a la meilleure arme! Bouchez le chien! Non, mais celui avec son arme lourde là, c'est. Faut le tuer. En plein où? Marquer le fosse. Ignorez les pertes. Mais tiens, mais. Putain, ils sont nombreux, hein. Ouh. Merci Edric. J'adore que le jeu, en fait, c'est un peu un chat Twitch. C'est-à-dire que genre, arrête de maroufler. C'est-à-dire que même lorsque t'es bien avancé dans le jeu, tu viens d'utiliser 10 000 pouvoirs, il voit que t'es en train de mourir pour une raison juste, tu fais un peu le foufou. Il fait genre, mais tu sais, il y a aussi des pouvoirs quand t'appuies sur Shift. Merci le jeu. La bête. Ouais. Je vous suis. Ouais. Je me dis du bip. Alors par contre, hein, le problème c'est que le fusil récolteur est très moche. Donc effectivement, ça c'est un peu un problème. Je ne vous quitte pas. Entendu. Oh, ne me quitte jamais, Mordi. Bip bip.
Tu sais que t'as des pouvoirs quand t'appuies sur Shift. J'aime bien mon bioman jaune devant, marron derrière quand même. Contact. Sortez de là immédiatement. Ricitas. Vous êtes humaine? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez les attirer sur nous! Du calme. J'ai ouvert un passage. Estimez-vous heureux de ne pas être dans la soute d'un vaisseau récolteur à l'heure qu'il est? Ce sont des récolteurs, c'est monstres! Merci, Gengis. Vous voulez dire que c'est pas une légende? Je croyais que c'était des histoires! Vous savez, non, c'est l'orgasme de la femme qui n'est pas réel. On quitte pas l'espace de l'Alliance! Non! Ils ont eu l'élite! Je les ai vus l'emmener! Sten aussi! Ils ont emmené quasiment tout le monde! Il faut que je sache contre quoi je me bats. Dites-moi tout ce dont vous vous souvenez. On a perdu nos transmissions il y a quelques heures. Je suis descendu contrôler la grille principale et c'est là que j'ai entendu des cris. C'est vrai que lui est mal casté, hein. Et il y avait des nuées d'insectes. Dès que quelqu'un se faisait toucher, il tombait. Mais t'explique ça en faisant le. Vous fermez à double tour. Oh là. Je souffre de la maladie de la jump cut. Tout ça, c'est la faute de l'Alliance. C'est à cause de cette tourelle et de ce commandant Alenko. Sans quoi, merci, on n'aurait pas été pris pour cible. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la faute de l'Alliance? On n'est qu'une petite colonie. Personne ne venait nous emmerder jusqu'à ce qu'on installe ces saloperies de tourelles. Merci, mamie, c'est pour l'appellation. C'est pour plus avoir l'Alliance sur le dos que j'ai quitté l'espace concilien. Les récolteurs ciblent des colonies isolées. L'Alliance essayait de vous aider. J'ai pas besoin de son aide. Il y a trop de petits caractères dans le contrat. Cet officier, là, il a dit qu'il venait juste superviser l'activation des tourelles. Mais je vous fiche mon billet qu'il y a autre chose là-dessous. Ferme ta gueule. Si vous avez des défenses, on peut s'en servir contre le vaisseau récolteur. À condition d'arriver à calibrer le système d'alignement. Ben, ça n'a jamais marché. Problème simple à résoudre, il nous faut juste l'emplacement. Allez jusqu'au transmetteur principal de l'autre côté de la colonie. Vous risquez pas de le manquer. Dégage. Merci, José. Non, viens avec nous des fois que tu pourrais me servir de bouclier, quoi. Vous connaissez la colonie et ses infrastructures. Venez avec nous. Plus quoi encore? Vous seriez plus un boulet qu'autre chose. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Vous sortez si vous voulez, mais je verrouille la porte derrière vous. J'ai pas envie d'y rester, moi. Eh, bonne chance. Il va vous en falloir. Ce méchant de canne survivant. Mais quoi, je suis moche, et alors? Mais bien sûr que je suis à lâche. Qu'est-ce que du droit? Au fait, il y avait 6000 crédits là-dedans, j'estimais que c'était à moi. Là aussi, vous avez 2000 unités de platine raffinée, ça me paraissait bien. Oh putain. Merci Beethoven. C'est ça, Emmerich. Mais vous êtes vraiment une merde. Mais vous êtes une merde. Vous êtes une merde humaine. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Dans notre dos. Dans le dos. Ah oui, d'accord. J'adore ces deux drones récolteurs qui discutent. Alors attention, hein, eux ils ont pas des boucliers, ils ont des barrières. C'est-à-dire des boucliers, mais pour te faire. Mais qui sont là pour t'emmerder. Qui sont là pour faire chier les gens qui ont des trucs anti-barrières. Tu vas mourir, je sais ce que vous ressentez. Ah oui, pardon, excusez-moi. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur. Alors, on va se calmer. Sans problème. Ah là-bas, il y a une engeance. Si je dois vous payer en plus, j'avais jamais joué au sniper sur le 2. Quoi. Le mec vient de mourir. Alors par contre, hein, les engences, c'est quand même du caca mou. Hein. Là, c'est les trucs que t'as pas envie de croiser. Ils vont rôtir dans leur serrure. Ils sont à moi. On peut me concentrer là-dessus, quoi. Ouais. Affirmatif. Oh. Je n'ai plus de bouclier. Oui, moi aussi, j'ai envie de pleurer. Ah non, mais eux ils étaient chauds au boudin.
Coucou. Bien que le sort exact du secrétaire et regarde, bien terminé, l'apparence eut. C'est bon, il n'y a plus de musique. On est safe. Heureusement qu'ils sortent toujours avec leur boombox et leur ghetto blaster. Sinon, on serait pas dans la merde. Ils nous prendraient tout le temps par surprise. Mais sans crédit, non mais attends, mais... Putain, mais Shepard qui se baisse vraiment pour ramasser des centimes. Non, t'as vraiment un souci, hein. Shepard qui racle les monnayeurs de distributeurs dans la rue, quoi. Genre, mais attends, mais Mordine, il y a peut-être une ça pourrait pièce. Servir. Parce qu'un jour, j'ai trouvé 10 balles. Un jour, j'ai trouvé une pièce de 10 francs dans un distributeur de cacahuètes. Depuis, depuis, tu vois, genre, la chance me sourit. Oh, putain. Merci, c'est mamie. Je fais plus la bise à mamie. C'est bien. Oh, rien, incroyable. Wouh. Oh, mais attends, c'est un... Il y a quelqu'un là-dedans. Ah, c'est un cercueil. Ça se fait qu'on ne soit pas tombé sur d'autres gens paralysés. Colomb monté à bord du vaisseau. Récolteur paré à appareiller. Il faut faire vite. Est-ce que je peux avoir plus de 9 balles de sniper? Ça m'aiderait parce que je joue sniper en fait. Oh bah il y avait 3000 crédits sur cet ordinateur. Les mecs fermaient pas leur compte PayPal. Oh les inconscients. Ça avait l'air bien d'habiller. Heureusement que c'était, ça se passait pas là parce que la map serait très chiante. Hein. Oh, putain. Merci c'est le Fapalin, c'est pas bien. Alors attendez, faut que je change les DPI de ma souris à chaque fois que je fais les puzzles parce que sinon on s'en sort pas. Quoi. J'avoue que ça ou rien, autant que ça ouvre les portes, quoi, tout seul. De toute façon, t'as pas le choix de le faire. T'as pas le choix de l'ouvrir. T'as pas non plus dépensé des médigels. D'ailleurs, c'est pas dans celui-là qu'il y a la blagounette, genre de mon temps, on foutait des médigels à fond la caisse et puis basta, quoi. Mais voilà, mais vous êtes bien mis là. Regarde-moi. Ouais, je m'y colle. Et est-ce que ça fait quelque chose? Je bouge plus. Juste ce qu'il nous fallait. Je m'école. Mais non, mais non. Oh là là, mais bordel. Vous êtes deux pour nous couvrir? Vous arrivez pas à tenir ces gars-là? Butez ces zombies. Non, 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 reste là, reste là. Butez les zombies s'il vous plaît quoi. Quoi mais c'est il ou quoi? Oui mais la tête mais il a 12 couilles. Ah, ils ont vraiment beaucoup beaucoup de PV en vétéran quoi. Donne le pompe à Grunt. Ouais, c'est vrai qu'il serait peut-être plus efficace avec son pompe. C'est pas faux. Toi passe en carniflex. Ils vont pas faire les mêmes erreurs. Ouais.
Quoi ? J'ai un feu nourri. Oh putain, c'est pas pour les dégâts que ça fait. Mais ça explose rien du tout. Alors on peut... Vous allez vous en sortir ou pas? Oh non, mais il s'est explosé le truc dans la face. Non mais quel abruti. Trop tard. Regarde, le truc n'est même pas mort. Ah d'accord, tout le monde est mort. Très bien. Ils ont grillé mes boucliers. Oh putain, c'est pas à l'aise. Merci, Saint-Christine Bunkake. C'est parti. Je déteste l'odeur de la chair brûlée. J'ai dit que t'avais le droit de prendre ton fusil à pompe. C'est d'accord. C'est vrai que cette map elle est assez compliquée. Voilà le transmetteur. Parce qu'il va falloir bouger dedans quoi. Ah mais là il n'y a pas les munitions. Oh bordel. Dans le futur tout sera à base de chariots et de conteneurs. Et surtout tout sera exactement à 1 mètre de hauteur, exactement comme dans Gears of War. Et voilà, et j'ai que 7 balles de snipe quoi. Sa mère. Alors vous vous doutez bien hein, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Après vous. Entendu. Couvrez-moi alors. Attendez. Voilà. Parce que Kaidan, visiblement, lui, il était level 0 en piratage. Merde. Alors, et moi, je me foire. Quoi. Je dis ça, je me foire. Si seulement l'Alliance nous avait envoyé un vétéran de niveau 1, on n'en serait pas là. On aurait activé les tourelles et tout allait bien. Normandie, vous me recevez? Ici Joker. Le signal est faible, mais on vous reçoit, commandant. On va leur montrer qu'on frappe aussi bien qu'on encaisse. Merci, Cédric. Active les tourelles de défense. Les erreurs dans le logiciel de calibrage sont faciles à rectifier, mais il va falloir du temps pour que les tourelles atteignent leur puissance maximale. Je recommande une posture défensive. Mais Kaidan est totalement haché alors. Est-ce que vous êtes en train de me dire? Les récolteurs vont vouloir nous arrêter. Parfait. Tu as d'autres infos à nous donner? Une seule. Des renforts ennemis s'approchent. Je vous conseille de vous tenir prêts. Pourquoi on n'est pas parti avec un commando de 4... Ne serait-ce que 4 personnes? On n'aurait jamais de problème si on partait à 4 au lieu de 3. Qu'est-ce que vous en pensez les mecs? Non, il n'y a que moi? Bon, d'accord. Non mais c'est moi alors, hein. Cherchez pas. Non mais c'est pas grave. Je vous suis. D'accord. La prise de contrôle. Oh non, mais pas la prise de contrôle. C'est pas vrai. Focussez-moi, ce con! Mes attaques vous détruiront. Oui, d'accord, le mec il existe plus. Le mec est en train de mourir, quoi. Je vais niquer ta mère! Mais regarde, tu fonds devant moi. Je t'emmerde! Contournement de sécurité, tentative d'activation du système d'urgence. Oh, quelle belle voix, Idéa! La voix de Falco dans Starwing, quoi.
Je vous suis. Le récolteur de 14 ans. Je passe à l'attaque. Compris. Heureusement qu'il y avait ces caisses par terre. Cible éliminée. Ils vont rôtir dans leur armure. Mordine qui est un peu trop vénère quand même. Ah mais c'est génial, vous chiez les cartouches. Le beat est bon les mecs. L'ennemi est battu en retraite. Je penche pour des renforts. Ah merde, c'était absolument pas là qu'il fallait aller. Bon, c'est pas grave. Acheminement énergétique en cours. Batterie anti-vaisseau gardien à 40%. Des renforts. On voulait leur attention, je crois qu'on l'a. Ah mais oh non, 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 pas des suceurs de vie. Oh non, pas des suceurs de nœuds, non, 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 non. Bouchez le chien. Et merde, il m'a stressé lui. Tiens, mais pourquoi t'as. Baf. Mais c'est mon cul, oui. Et voilà, et merde, prise de contrôle. Ah donc. Tiens. Si je dois vous tailler en pièces, je sais pas. Oh, plus je vous en pas. J'ai soif, favori. La puissance est inique. Gavis. Batterie anti-vaisseau gardien à 60%. Synchronisez votre routine de ciblage au système du Normandie. Continuez à protéger la tourelle. Synchronisez votre routine. Les obstacles vous détruiront. Je sais ce que vous ressentez. Si seulement on était avec toute l'équipe. Si j'avais tous mes potes danger là, mais comment ça suffirait? Les récolteurs sont très forts quand ils se battent à 20 contre 1. Waouh, super. Effectivement, ça fait peur si ils n'ont pas de race comme ça. Mais du coup, si on était en 3v3, oh ben, on les explose, c'est des merdes. Je reste avec vous. Oh là là, merci d'avoir chié les briques. Il va en arriver d'autres. C'est toujours comme ça. Votre père était un salaud. C'est vrai qu'il n'y a pas de chien, il aurait dû dire coucher le Varenne. Merci ton petit cul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'accord. Ce truc survénère quoi. Réactive ce système, vite. Un nouveau modèle de récolteur. Nature non identifiée. Gardez vos distances. Ça devrait faire l'affaire. Ah oula. Ah mais voilà, les tourelles elles marchent. Et du coup ça tire sur le truc, regardez cette mise en scène, c'est quand même la classe. Je te suce avec ma paille laser. Regarde ta vie. Mais attends. Oh, attends, des putains de merde. Il se met des barrières tout le temps. C'était ma meilleure arme. Fais chier, pourquoi nos tanks fondent comme neige au soleil face à nos bazookas qui sont utilisés à part le jumeau? Je ne sais pas. Petite erreur de conception là les mecs hein.
Vous avez laissé traîner un truc qui one-shot vos propres tanks. Et en plus, deux tourelles suffisent à vous foutre en PLS, quoi. Merci Grunt, merci beaucoup pour cette, cette info. Le gros des colons est à bord. Ils ont eu ce qui... Non ! Non, les laissez pas partir ! Il est énorme, ce vaisseau. Comment vous voulez qu'on le rattrape ? Il y a la moitié de la colonie là-dedans. Ils ont emmené Egan, Sam et Lilith. Faites quelque chose ! Mais tu fais chier ! Moi, j'ai fait de mon mieux. Je ne me suis pas réfugié dans un bunker en tremblant. Un peu de respect. Sans Shepard, vous seriez tous à bord de ce vaisseau. Shepard ? Maintenant, il reste trois gars. Merci, Marauder. Je connais ce nom. Ouais, je me souviens de vous. Un genre de héros de l'Alliance. Commandant Shepard, capitaine de Normandie. Non, c'est un cauchemar. La sauveuse de la citadelle. Vous êtes en présence d'une légende, Delan. Et d'un fantôme. Tous ces gens bien qu'on a perdus et on vous laisse au rancard. Normal ? Oh, puis merde, j'en ai ras le cul de l'Alliance. Ce rageux, putain. Écoute, t'es pas obligé de regarder les vidéos, hein, si t'aimes pas. Je vous croyais morte, commandant. Et je n'étais pas le seul. T'as l'air salty, non ? Vous n'avez pas l'air ravi de me voir. Quelque chose vous chiffonne, Kaidan ? Vous vous foutez de moi ? J'ai passé les deux dernières années à vous croire morte. Je vous ai suivi à l'autre bout de la galaxie. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai souffert en apprenant votre pseudo-mort. Pourquoi vous n'avez pas essayé de me contacter ? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez en vie ? Mais, Kaidan, c'est quand même moi qui suis mort. Toi, tu voulais me suivre la galaxie, mais moi, j'ai passé deux ans à espérer que tu serais mort quand je me réveillerais, pour qu'on n'ait pas à avoir cette conversation-là. Vous êtes toujours dans l'Alliance. Vous vous voilez la face, mais des colonies humaines. Et en plus, je t'aime que comme un ami, quoi. J'essaie de les sauver. Et encore un ami. Vraiment ? Première nouvelle. Pourtant, nos rapports prétendent que vous collaborez avec Cerberus. Des rapports ? Vous étiez au courant ? Nos agents soupçonnent Cerberus d'être impliqué dans la disparition des colons. D'après nos sources, cette colonie serait la prochaine cible. Anderson a éludé la question, mais la rumeur courait que vous étiez en vie, que vous étiez passé à l'ennemi. Nos colonies disparaissent sans que l'Alliance ne lève le petit doigt. Cerberus est la seule faction disposée à agir. Vous n'y croyez pas vraiment, rassurez-moi. Vous savez de quoi Cerberus est capable ? Vous les avez vus à l'œuvre ? Non, la rumeur courait que vous étiez en vie et je ne demandais qu'à y croire. Mais jamais je n'aurais cru ça de vous. Vous avez renié ce que nous avions juré de protéger. Oh là là, mais c'est bon, c'est pas parce que tout à coup... C'est liberté, mon gars. Genre, c'est pas parce que j'apparais à la même convention que quelqu'un qui a un discours un petit peu... voilà, et qui soutient un candidat que t'aimes pas, que voilà, on peut plus se parler. Qu'est-ce que c'est ? On n'est pas à la fac des lettres et langues, là ? Bon. Est-ce que j'ai le droit à une autre opinion ? Est-ce que finalement, c'est pas de pitié pour les fachos ? Hein ? On en est là ? Bon, ben alors, est-ce que tu crois que tu vaux mieux que moi ? Est-ce que tu me juges ? Bon, on va tourner la page. De toute façon, non, c'est mort. C'est mort. J'ai tourné la page. Tout ce qui importe, c'est ici et maintenant. Vous l'avez vu de vos yeux. Les récolteurs s'en prennent aux colonies humaines, et ils sont alliés aux moissonneurs. Je ne demande qu'à vous croire, Shepard. Mais je ne fais pas confiance à Cerberus. Les moissonneurs ne sont qu'un prétexte pour vous manipuler. Et si c'est eux qui tirent les ficelles ? Peut-être qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Trop obsédés par Cerberus. Inconscient de la véritable menace. Vous êtes con. Je n'arriverai pas à vous raisonner à ce que je vois. Vous refaites surface à l'improviste et vous m'annoncez que vous bossez pour Cerberus ? Et c'est vous qui parlez de raisonner ? Vous avez changé. Quant à moi, t'as changé, je Benzaï. N'ai pas oublié à qui je dois ma loyauté. Je suis et je reste un soldat de l'Alliance. Je vais en référer à la Citadelle. Ce sera à eux de décider s'il faut vous croire ou non. Mais Anderson, t'as pas dit que j'étais de nouveau Spectre et qu'avant tu travaillais pour moi un Spectre et pas avec l'Alliance ? Kaidan, si tu veux, c'est ton histoire, c'est toi le héros, c'est toi qui as raison. Ça me va. Mais peut-être qu'ils sont de mèche avec les récolteurs, là, les espèces de vieilles trucs turgescents qui balancent des moustiques. Peut-être que c'est les Cerberus, hein. Ok.
Joignez-vous à moi. Non mais pourquoi ça existe cette option? Jamais je me tape Kaiden. C'est joué d'avance, vous le savez. L'Alliance essaiera d'incriminer Cerberus comme vous l'avez fait. Le fameux complot intergalactique au moins sonore et colterrain israélien. De confiance. Au revoir, Shepard. C'est ça le formol. Faites attention à vous. J'ai plus de cul que toi. Même Mordi, il se retourne dans la caméra, genre. Envoyez la navette. This guy for real? J'en ai assez de cette colonie. Shepard, sois pas salty. On va peut-être faire le débrief quand même. Vous avez changé depuis que vous faites des OPSP pour le pognon. Oh, c'est bon. De toute façon, je t'aurais jamais fait faire un featuring sur ma chaîne. Dégage, Kaiden. Shepard, c'était du beau travail. Mais mettez des vrais vêtements, s'il vous plaît. Arrêtez de vous habiller avec des chiffons. Une autre colonie. Ce n'était qu'un début. On s'y prendra comment la prochaine fois? Les récolteurs seront sur leur garde désormais. Mais nous trouverons bien un autre moyen de les piéger. Je me demandais si vous aviez été trempé dans cette attaque. D'après Kaiden, l'Alliance a été informée de mon implication avec Cerberus. J'ai répandu quelques rumeurs habilement détournées. Que vous étiez encore en vie et rallié à Cerberus. Quoi? Je vois. Qu'est-ce que vous cherchiez à prouver? Je possède au moins 50 comptes Twitter. Je soupçonnais les récolteurs d'être à votre recherche. Et j'ai 12 000 alias sur le JVC. Sur JVC, à présent, sur 1825. Le doute n'est plus permis. C'était risqué. Mais comprenez-moi, je refusais d'attendre qu'ils s'en prennent à une autre colonie. Nous devons mettre un terme à ces enlèvements. C'est mon seul et unique objectif, Shepard. C'est l'objet même de cette mission. J'alloue toutes nos ressources à la recherche d'un passage via le relais Oméga 4. Nous devons les frapper en plein cœur. Vos hommes devront renforcer leur détermination. Le passé ne compte plus. Cela vaut aussi pour vous. Puis-je croire que vos relations anciennes sont désormais derrière vous? Et ta sœur? Et ta sœur? En fait, oui, parce que... Mais en fait, le truc, c'est que j'ai envie de dire... Ah oui, non, mais Kaiden, il peut aller se faire mettre. De toute façon, je l'aimais déjà pas. En fait, Kaiden, j'ai essayé de le tuer. Pour de vrai. Mais j'ai envie de lui dire, et ta sœur? Ça ne vous regarde pas. Si elles affectent la mission, mieux vaut les reléguer au passé. Shepard. Dès que nous aurons trouvé le moyen de franchir le relais Oméga 4 jusque dans le territoire des récolteurs, rien ne garantit que vous y survivrez. Votre seul espoir pour vous et votre équipage, c'est d'être totalement dévoué à notre objectif. Merci pour le speech, mais ça ira. Je vous ai transmis 3 autres dossiers. Continuez de monter votre équipe pendant que je cherche un moyen d'emprunter le relais. Ne vous relâchez pas, Shepard. Les récolteurs seront aux aguets. Oh non, Jacob, ne me parle pas. Tu es le Kaiden noir. Je voulais pas te le dire, mais... Ça rigole plus. On va affronter les récolteurs pour de bon. Enfin, on va avoir un peu d'action. D'un autre côté, après ce que ces bâtards ont fait sur Horizon, ça donne à réfléchir. Est-ce que là, je peux juste... Est-ce que je peux, genre... me casser, quoi? Ne me laissez pas tomber maintenant, Taylor. J'ai besoin de vous. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, quoi. Je veux juste mettre mes affaires en ordre. Histoire d'avoir l'esprit tranquille. J'ai encore un dernier truc à faire avant de partir. J'imagine que c'est notre cas à tous, non? C'est pas Kaiden West. Kanye Alenko, quoi. Regardez tout ce que regardez tout ce qu'on peut faire maintenant dans la galaxie. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Regardez tout ce qu'on peut faire. Enquêter sur le projet, recruter Tali. Allez enquêter sur le projet suprématie.
recrutez le vétéran sur Omega. Allez sur Ilium et recrutez la probatrice ainsi que l'assassin. Merci Théodudu. Ou allez sur la citadelle et recrutez l'as des valeurs. Qu'est-ce que j'ai dans mes messages? Le sol de l'alliance posté ici m'a donné vos coordonnées. J'espère qu'on recevra ce message. Oui, il dit vouloir arrêter ces récolteurs. Ils ont enlevé mon fils et mon frère et ma chienne et ma deuxième femme aussi. D'accord. Je vous en supplie, aidez-nous. Shepard. Nous savons que notre vieil ami Lyra Tsoni pourchasse le courtier de l'ombre depuis plusieurs années. Et voudrions lui apporter notre aide. Après tout, le courtier a élaboré avec les récolteurs le machin bidule de mon cul, le DLC, 15 balles dans ton cul. D'accord. J'ai parcouru les rapports sur Horizon, commandant. Vous avez vraiment brillé. Le compte-rendu mentionnait la présence de Kaidan Alenko. Qu'est-ce que ça a donné? Il me manque! Mais putain, on peut pas dire genre va te faire enculer. Pas grand-chose. Le passé, c'est le passé. Je comprends. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Je comprends. À vos souhaits. Il y a quelque chose que je devrais savoir. L'agent Lawson demande à vous parler. Elle est à son poste au pont résidentiel. L'agent Taylor vous demande d'aller le retrouver à l'armurerie. Autre chose, commandant? Il y a quelque chose. L'agent Lawson. Autre chose, commandant? Vous avez une minute. Taylor et Jacob et Miranda, ils me battent les couilles. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis choisi directement par l'homme trouble. Terrifié. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes. Oui, commandant. C'est bon. Ce sera tout. Je vois que. Je vois que vous savez très bien sucer. Et je pense que c'est pour ça que l'homme trouble vous a pris. Vu la lèche que vous me faites là. Arrête d'être habillé comme un putain de sac. Oui. Moi je préfère ce truc là. Hein. Même si bon ça fait un peu tout bib mais... Reste en jaune devant, marron derrière ou quoi? On peut peut-être passer en mode comme ça. Voilà, et là c'est vraiment le jaune devant, marron derrière. Merci Wonder Terrap. Ah le voilà, le vrai jaune devant, marron derrière. On peut même mettre plus de jaune, parce qu'on était comme ça, je crois. Mettre vraiment jaune et le mettre mat. Ou juste avec la brillance normale. C'est pas mal ça. Hein. Ça c'est pas mal, c'est pas mal moche quoi. Je me comprends. Benzaï!